d'un Ivan Poppel aussi qui montre une belle forme sur ce Tour d'Allemagne. On pense aussi bien entendu à Mats Pedersen qui semblait être un petit peu en difficulté. On imagine mal hein, qu'il a pu passer avec ces quelques coureurs ici. En tout cas, Alex Kirsch est là. Est-ce que Mats Pedersen a su l'accompagner? Oui, Mats Pedersen est toujours dans la roue d'Alex Kirsch, mais on est dans la queue du peloton. Et on relance une nouvelle fois du côté de la formation UAE. On a bien compris que la formation Soudal Quick-Step était en difficulté. C'est Ilan Van Wilder en personne d'ailleurs, derrière McNulty. Hein. Et il doit rester dans la roue, il ne doit jamais passer. La réaction de Rivera pour la formation Ineos. On est présent également du côté de la formation Team DSM pour toujours emmener le leader Kevin Vermaak avec le maillot blanc dans le bas de l'image. Grelier à l'attaque. Ouais, Fabien Grelier avec cette équipe Total Energy qui a retrouvé des couleurs hein, par rapport au début de ce Tour d'Allemagne. On avait vu des beaux premiers signaux, notamment avec Burgodo et Julien Simon du côté du Helleberg. Mais on n'avait pas réussi à aller chercher des bons résultats. On passe à l'attaque aujourd'hui, puisqu'on le rappelle, on était également présent dans cette échappée matinale. Le voici repris d'ailleurs, Grelier. Par la formation Bora qui emmène donc cette course, ce peloton. Attaque à droite. Attention, une attaque peut-être à droite de Anthony Turgis qui démarre un petit peu loin, un petit peu de l'arrière, mais c'est une belle offensive. On ne réagit pas encore tout de suite du côté de la formation Soudal Quick-Step. On demande d'ailleurs l'information du côté de Streck. On imagine qu'Ilan Van Wilder va demander peut-être prendre la poursuite, bien que Anthony Turgis n'est plus dangereux. Ilan Van Wilder est également porteur hein, normalement du maillot vert. Il possède un point devant Ethan Vernon. Anthony Turgis qui va donc prendre cette première position sur ce sprint intermédiaire. Est-ce que Vernon va venir prendre le petit point? Oui, regardez, il se met debout sur les pédales pour aller chercher ces deux petits points, ce qui va lui permettre de pouvoir prendre la tête du classement par points. Ça se rapproche maintenant, Turgis se relève. Ouais, il a compris que ça allait être compliqué, Anthony Turgis. Une belle tentative néanmoins. Pour Anthony Turgis qui a animé cette fin de course, sorti à 30 km, et le coureur de la formation Total Energy. On va assister à une course de positionnement, à moins que Burgodo tente quelque chose. Pour rester dans la tendance de ce qui s'est passé aujourd'hui. Si Burgodo, tente quelque chose, Gérard, ouais, c'est ça. Ce sera s'il ne tente rien, ce sera le seul coureur à n'avoir rien tenté, ça c'est certain. Chut! Ouais, une chute à l'arrière là. Avec un coureur qui est passé au-dessus des balustrades. Ouais, c'est un coureur de la formation Bahrain là qui est tombé. Ouais, Bilbao est relevé, mais. Avec un coureur de la formation Alpecin hein, donc qui a sorti trop large. Il y a un Bandelder qui doit surtout faire attention à Félix Groschartner. Hein. Qui est positionné dans les premières positions. Dylan Tuns qui lance le sprint à Aramburu qui est là aussi pour la formation Movistar. C'est peut-être lui qui va le plus vite à moins que Tyler Rasmus vienne chercher la première position. C'est le cas. Deuxième place pour Dylan Tuns me semble-t-il et troisième place pour Aramburu. Ou le contraire. Ou le contraire. Parce que c'était très très serré. On a quand même un train un petit peu intéressant du côté de la formation Israël Premier Trek avec Dylan Tuns. La formation Intermarché qui essaie de se repositionner, on est un petit peu loin. Ça semble bien parti, en tout cas au niveau du train de la formation Bora qui semble faire ce sprint pour Danny Van Poppel. Oui, Sam Bennett clairement. Qui est juste devant lui, on joue un petit peu des coudes. Train parfait de la formation Bora qui pour le moment est amené par un coureur de la formation Israël Premier Tech. Ça y est, c'est parti avec la formation Bora. Sam Bennett en tant que poisson pilote, ça va faire très mal. Il va falloir être très fort pour pouvoir concurrencer un train pareil. Le sprint qui va bientôt être lancé avec le dernier effort d'ailleurs du poisson pilote qui va lancer maintenant Sam Bennett qui emmène ce sprint avec attention le coureur de la formation Intermarché qui va sortir. Il faut lancer le sprint du côté de Danny Van Poppel. Danny Van Poppel face à Maldis Michiels peut-être pour une deuxième victoire d'étape pour Intermarché Circuit Frontier en deux jours avec le Renewi Tour. Victoire de Maldis Michiels devant Danny Van Poppel et me semble-t-il Quinten Hermans qui semble être sur le podium aussi. Victoire pour la formation belge. Maldis Michiels qui là doit faire l'effort parce qu'il y a eu un petit trou causé par un coureur de la formation Q36.5. Quinten Hermans s'est parfaitement placé dans la roue du sprinter estonien. Il doit faire d'abord dans un premier temps le trou pour revenir dans la roue de Van Poppel. J'allais dire, il n'est pas vraiment dans l'aspiration Quinten Hermans alors que Michiels est très costaud. Sans que à la vitesse il peut déborder et il déborde assez remarquablement
Et il a fait deux sprints en main, là, Michiels. Un premier pour revenir dans la route d'Annie Van Poppel. On a peut-être lancé un petit peu tard du côté de la formation Bora. Oui. Sam Bennett qui arrivait un petit peu à bout de souffle. On a senti qu'on avait peut-être la possibilité de lancer le sprint avec plus de vitesse du côté d'Annie Van Poppel. Beaucoup de confiance donc pour Madis Michiels qui est venu chercher ici ce qu'il dit être la plus belle victoire de sa carrière. Absolument, absolument. Je pense que c'est sa deuxième victoire cette saison-ci. Voici le classement général avec Ilan Van Wilder, donc toujours en tête depuis la première étape en ligne qu'il a remporté bien évidemment. 11 secondes derrière Groschartner, à 13 secondes Pavel Sivakov, Danny Van Poppel avec cette deuxième place qui vient donc se rapprocher et qui intègre le top 5 à 16 secondes. Et derrière, de toute façon, on commence à être un petit peu trop loin pour pouvoir se rapprocher et venir jouer le podium.